Mais bravo! Merci. Dites-moi, Laurent Levesque, vous venez du classique? Oui, tout à fait, oui. Forcément, quand on entend. Et mon petit doigt m'a dit que lorsque vous étiez enfant, alors, vous étiez pianiste, vous jouiez du classique et vous aimiez improviser sur le classique. Oui, Comment ça se fait? je sais pas. Je sais pas, ça me faisait plaisir de changer les mélodies, les partitions ou d'en rajouter ou de changer un peu d'accord. En fait, vous aviez envie d'aller vers votre écriture, vers votre univers aussi, Oui. d'y apporter votre identité, Petit, d'une je ne certaine savais façon. pas, mais c'est ce qui s'est produit ensuite, oui, tout à fait. Laurent, comment est-ce que vous écrivez? Comment est-ce que vous concevez une musique de film? En fait, au départ, j'ai soit un scénario, soit simplement une idée, ou soit une image. Et ce que je fais, c'est que je me déconnecte de la réalité pour prendre tout ce qui vient en moi et essayer de trouver au départ un thème principal, quelque chose qui se marie complètement avec le thème du film. Et il y a aussi une chose importante, c'est que c'est vrai que les musiques de films s'inspirent quand même de la musique classique. John Williams, tous les grands compositeurs, Le Oui. Seigneur des Anneaux, Voilà. s'inspirent des grands compositeurs, Wagner, Mozart, Oui. Mahler, Strauss. C'est grâce au film que tout le monde peut entendre de la musique classique, au Voilà. moins les sonorités Personne ne le classiques. sait, Tout à fait. avec les grands films aussi hollywoodiens. Laurent, ben, merci d'être venu. Merci, Patricia, pour l'invitation. Et vous ne nous présentez pas votre Si, quatuor avant de avec partir, quand plaisir. même? Si, si. Ludovic Balla au violon. Ah. Laetitia Ringeval au violon. Emmanuel Blanc à l'alto. Et Guillaume François au violoncelle. Merci, messieurs. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Alors, Grand dites-moi, est-ce que l'espace, ça vous parle? Alors, je vous demande ça parce que je m'apprête à recevoir un grand monsieur dans Berlingot. Et on s'intéresse beaucoup aux liens entre les disciplines. Et j'ai donc décidé d'inviter, pour parler des liens entre la musique et l'espace, un astrophysicien très connu. C'est un spécialiste de l'exploration du système solaire. Il a travaillé sur la théorie du chaos, les supernovas. On le connaît parce que c'est lui qui a découvert les anneaux de Neptune, auxquels il a donné les jolis noms de liberté, égalité, fraternité. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Il s'agit d'André Braïc.